pour ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le 25 décembre, c'est Noël. Je vous reprends pas de bonne heure du tout parce que il va être 3h de l'après-midi. Mais... Non, il est pas à l'heure. Ah oui, il va être 2h. Il va être 2h. Enfin, je crois. Mais voilà. Il est 2h moins le quart. Je voulais commencer le vlog ce matin chez ma maman, mais j'étais incapable. Parce que j'ai dû dormir 3h cette nuit. En tout cas, c'est. Autant vous dire que j'avais la tête dans le popo. Et j'ai encore même du mal à émerger, mais bon, il faut émerger. Mais ouais, j'ai très très mal dormi. Vraiment. J'ai mal dormi. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai trop mangé hier soir. Bah déjà, j'ai mangé tellement d'entrées que le chapon, j'en ai pas mangé. C'était du chapon. Ben non, non, du chapon. Sinon, c'était super bien et tout. Bon, bah, comme vous avez vu, j'ai pas vlogué. Enfin, je vous ai pas montré en tout cas les images de. Ah bah c'est mon chien, il m'a fait peur. On a ramené quoi dans la voiture? Oh la vache. Tu m'as fait peur, Jackie. Je sais plus ce que tu disais. Oui, je vous ai pas montré les images du réveillon parce que de toute façon on les garde pour nous. Et concrètement, même si je vous les montrais, vous comprendrez rien tellement ça braille de partout. Donc voilà, c'est pas mal. Mais c'est privé. Ouais, c'est privé. Les petits vous montreront quand même ce qu'ils ont eu, on a pas de problème. Les petites, les nièces, les neveux nièces, très contents de leur cadeau. Et on n'a pas fini, on continue la tournée là, du Père Noël. Je me suis réveillée, comme vous pouvez le voir, le manque de sommeil avec un super petit buton. On les aime. Et sinon, moi j'ai été aussi gâtée, je vous montrerai tout ça. Enfin, j'ai pour l'instant, parce que j'ai pas tout découvert. On en découvre tout à l'heure à la maison. Lui, il a hâte d'entrer pour voir ce que c'est. Donc là, nous allons chez le frère de Raph. En fait, on fait le même trajet qu'hier. Mais on s'en fout. Et là on va donc offrir le cadeau de Lauriane, voir sa tête, et après on rentrera à la maison découvrir les nôtres. Et on va voir mon cadeau aussi. Bah oui, toi aussi t'as des cadeaux sous notre sabbat. Ouais. Alors, vous avez été content? Ouais. Y a pas Cassie. Cassie elle est chez ma maman, je vous l'ai dit dans le vlog d'hier. Elle est très très contente de passer quelques jours avec sa mamie, vraiment ça lui fait très plaisir, ça fait très... Quoi, lui, là? Ah, tu parles pas à moi? Non, lui là, il avance à rien. Ça fait plus d'un an qu'elle a pas été en vacances chez sa mamie et Cassie et sa mamie sont très 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 proches. Donc elle était très contente, je la récupère jeudi. Enzo il a eu un hélicoptère en Lego, c'était des Lego quoi Sarah? Des... Je sais pas. Mécaniques, Lego... Des Lego techniques. Lego techniques. Bah, je suis pas convaincu. Que si c'est ça. Il y en a certains oui, si. Mais on n'a pas l'impression que ce soit vraiment des Lego... Si c'est ça, moi bien. Et ben c'est super bien parce que... Bah t'as des mécanismes et tout. Il y a vraiment, ouais. Bon c'est compliqué à monter, c'est Raph qui l'a monté pour Enzo. Mais il y a vraiment un mécanisme dedans, c'est super chouette, il vous montrera ça plus près. Et toi mon Timmy? Moi j'ai eu un coffret Ninjago. Et en fait, voilà. T'as eu quoi d'autre? T'as pas eu que ça? Ah oui, après j'ai eu la montre Yo-Kai Watch 2. De Pokémon là, de cartes. Si j'ai eu une boîte Pokémon Sol Galéo. Hein. Moi aussi. Et j'ai eu Sol Galéo J en carte Pokémon. Et avant, quand j'avais eu le même mais en Lunala, bah, j'avais eu Lunala GX. Voilà. Moi aussi j'ai pareil. Cassie elle a eu une fabrique à chocolat. Ah bon, pour faire des petits chocolats. Elle a eu pareil deux coffrets boîte Pokémon, je sais pas quoi. On a eu deux. Oui. La boîte en métal et puis l'autre coffret avec les grandes, les cartes géantes. Ah oui, bah oui, cartes géantes. Donc très Pokémon, mais pas que Pokémon. Donc bah voilà, c'est pas mal. Moi je vous montrerai à la maison parce que là. Voilà, j'ai eu cette belle écharpe. C'est parce que je la vois là. Dans ma petite sœur, pareil, je la montrerai. J'ai eu un sac par ma grande sœur. J'ai eu des chocolats. Et des bracelets, tout ça, un vernis, pharmacie. Bref, ça va faire comme celui d'hier. Le vlog d'hier est monté, mais je me rappelais plus. Alors, j'avais emmené le PC portable et tout, j'avais fait ça bien. Hein. J'avais dit comme ça et tout, comme je savais que j'allais être levé de bonne heure. En plus, mon papa il se lève très tôt, il a dû se lever à, je sais pas, 6h moins le quart, il est fou. Du coup, on a été levé vachement de bonne heure, parce qu'on l'a entendu. Du coup, j'ai monté le vlog d'hier. Et je vais pour l'uploader et tout ça. Et à 1h de l'après-midi, il était qu'à 25%. Oui. Mon père habite en pleine campagne.
J'avais oublié que c'était pas le tout d'avoir un bon PC pour monter la vidéo, mais si la connexion internet elle est nulle, ça va pas mettre plus de temps. Donc on va l'envoyer chez ton frère, il a la fibre. Ouais, on va y aller. Comme ça, vous l'aurez quand même en temps voulu, c'est-à-dire le 25 au soir. Voilà, et celle-là le 26. Bon, écoutez, je vous prends pas plus longtemps, ça fait déjà 5 minutes 23 que l'on parle. J'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. Je m'étonne. Je mets pas toute seule. Et je vous reprends chez Jérôme en compagnie de Lauria pour savoir ce qu'on lui a offert pour le yin. Voilà. Non, mais on avait envie. On avait envie. C'est ce que je lui avais entendu à son anniversaire. Elle nous a dit oh, vous aviez dit que normalement. Mais ah, voilà. Oui. J'ai vu des choses, ça me faisait penser à Lauriane. J'ai dit c'est pour Lauriane. C'est bien, bah c'est bien. C'est juste une boîte, c'est le contenu que c'est. Voilà. Un coffre. Mais non. Mais non, j'ai pris les boîtes que j'avais dans mon KGB. Hein. Oh. Voilà. Un soir. C'est ce qu'il y a dedans. Oh. Oh. Le papier, hein. La boîte, elle est plus jolie à l'intérieur que l'extérieur. Hein. Non. C'est marrant ça parce que c'est là où je travaille, c'est ma collègue. Cocktail and bubble. Bubble quoi? Lips, lips, non? Bonjour, lips, pour light. Oh, tu fais mon rouge. J'aime bien la couleur. Et là, petite trousse comme ça dedans, tu pourras mettre tous les trucs que tu as eu dans le calendrier d'avant. Ah ah, du maquillage. Yo, bébé. Tu vois? C'est des blushs, c'est des bronzers, je crois. Et ça, c'est des fards à paupières, ouais. Blush, fards à paupières. Ouais, dans les deux. Tu vois? Bronzer, ouais, c'est des douillettes. Sandrine, elle me fait, je prends lequel? Bah, il me gêne. Celle-là ou celle-là? Bah, je dis, tu prends les deux. Au moins, c'est fait. Oh, tu t'en mets un pote, hein, c'est comme, ouais. C'est comme ça. Que oh, des ananas! C'est bon! En rose gold! Qui brille! Oui, c'est une guirlande d'ananas rose gold! C'est comment? C'est par. À pile, je crois. À pile. Il a trouvé un mort que. Déchire-toi, allez, ça va, papy? Viens! Oh, trop beau! Ça va, tiens, on va. Pas mieux pour faire plaisir à Marianne! Oh, une lampe! Et c'est pas du plastique, hein. C'est de la porcelaine. Hein. C'est en porcelaine! Ah oui, hein. C'est en porcelaine, ça casse. Hein. Attention, hein. C'est pas la lampe, la petite lampe de fiofiote. Hein. Non, non, elle allumée, elle est trop canon. Il y a plein de petits trous dedans, quand tu l'allumes, ça. Non, bah là où j'ai acheté, elle était en démo. Donc j'ai et pu voir. Sur la licorne, tu sais, sur la. Bah, tu peux mettre tes bijoux dessus. Ah oui, ouais, les colliers, mais... des choses comme ça. Ah ouais, ouais, mais bon, ça va peut-être. Vu que c'est de la porcelaine. Bah. Oh, ça va pas. Oh, des trucs à bulles. Oui, mais non. Tu peux mettre les pépères. Ouais. J'ai peur. De quoi? J'ai peur, j'ai peur. Bah, t'inquiète, on fera attention. Elle est belle, hein. C'est un gars magnifique. Regarde, il y a plein de petits dessins là, tiens, avec des trous. Et quand tu l'allumes, ouais, tout ouais, parce qu'on l'allume, ça fait ouais. Non, ça non fait... de parce que là on dirait un dragon de ah face. Oui. Oh, voilà. Elle est magnifique. Alors mademoiselle, on est contente? Oh oui. Bah oui. C'est pour mettre et nous on a eu des chocolats. C'est quoi ça, Raphaël? C'est ma mère qui a ramené ça. Ah, Enzo, t'as rangé les sous. C'est quoi, Manu? Oui, non, mais tu peux les ouvrir. Voilà. C'est portugais, ça? Oui, c'est ça. C'est un peu dur. Non, tu mets comme ça. C'est un beignet. Ah, mais c'est de la cannelle. Ah, bah là, oui, c'est plein de cannelle. Bah, oh, cannelle. Ah, bah oui. Attends, passe-moi un petit bout. Vous allez laisser la place c'est les épaules. Ah, c'est bon quand même. Mmh. Il est magnifique. Oh. Des beignets. Oui, attends. Je vais dire un thé, toi, maman. Bon, ça va, niveau cannelle, c'est pas trop fort. C'est trop bon, bon, bon. Re-coucou, on est enfin rentré à la maison. Il est 17h, et je rentre seulement chez moi. C'est donc que je travaille demain et que j'ai dormi que 2h cette nuit. Je suis fatiguée et je pense que ça se voit. Donc, on va un petit peu faire le récapitulatif avant des choses qu'on a eues avant, puisque là, le sapin il est plein et on va découvrir avec vous. Mais en attendant, voilà, on va essayer de vous montrer un peu mieux ce que tout le monde a eu. Alors, Timéo. Alors, j'ai eu la montre Yo-Kai Watch. Si vous voyez, là, il y a 10 bananes qui... Attends. Ah oui, il y a une lumière, en fait. 10 bananes qui fait la foire du chaton. Là, quand je... Attends. Après, là... Ça fait énormément de bruit.
fais la fourrure de chaton. Après, quand j'enlève. Mais tu vas pas détailler le jouet, c'est pas grave. Après... Il a eu la montre Yo-Kai Watch 2, c'est ça? Oui. Donc il était très très content. Bon, il a eu un petit Kinder Père Noël qui a déjà été mangé. Il a eu ce pack de Lego. Donc c'est bien des Ninja Go Movie. C'est pour ça qu'il y a le petit pouce-pouce là de la police. Et en fait, bah, il a eu toute cette scénette. Toute cette scénette dedans. Donc voilà, il a déjà construit des petites choses. Il a eu cette boîte métallique. Oui, et en haut, si vous voulez, je peux ramener la même et Luna là. Mais il l'avait vu déjà à ton anniversaire, tu l'avais montré. Ah oui. Ouvre-la. Ouais. Donc là, il a eu, c'est qui ça, c'est Sol Galeo et là, après en haut, j'ai Luna là. Donc voilà, la bref, il a le paquet avec toutes les cartes Sol le machin, nanana. Sol Galeo. Voilà. Et il a eu un paquet de chocobons. Donc ça, c'est ce qu'il a déjà ramené. Et il avait un sucre d'orge que j'ai déjà mangé. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il a déjà ramené de son week-end. Enzo. Moi, j'ai eu le jeu Yo-Kai Watch sur la DS. Yo-Kai Watch 2, ouais. Phantom Buffy. J'ai eu le Lego en hélicoptère. Et c'est un Lego... je me souviens jamais. Technique. Technique. Et ils sont vachement bien. Vous avez un mécanisme quand vous tournez et là. Par mamie, c'est ça quand on tourne, Enzo? Où ça? Non, on appuie là. Voilà, on tourne en dessous et ça tourne l'hélice, ça fait bouger les pistons. Il a eu Wolverine. Ensuite, t'as eu. Bah, pareil que Timo, les cartes Sol Galeo. Ouais. Et un réveil. Un radio réveil. Bon, Cassie, on a juste son paquet de chocobons parce que le reste est chez ma maman puisqu'elle a passé le week-end là-bas. Moi, Raphaël et les enfants, on a eu ça par les beaux-parents. On a également eu des célébrations. T'as eu quoi, toi, monsieur? Deux bouteilles de champagne et des chocolats. Ils sont où? Les amas? C'est rangé. Tout est là-bas. Ouais. Alors, moi, j'ai eu cette énorme écharpe. Elle est hyper grande. Elle est hyper douce. Et elle vient de chez H&M. Et j'ai eu ça par ma petite sœur. Donc, j'étais trop, trop contente. Par ma grande sœur, j'ai eu ce sac. Oh, je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Voilà. J'ai eu ce sac. Bon, il y a la marque du pli là parce qu'elle était dans sa, il était dans sa valise le paquet, donc il a marqué un peu, mais bon, ça va s'enlever. De chez Stradivarius, et il est vraiment très très cool. Et dedans il y a d'autres choses. Oui oui oui, c'est magique. Alors à l'intérieur j'ai eu un vernis, celui-ci, donc qui est le numéro 705 de chez Kiko. J'ai eu ce bleu là dans la gamme Glossy Nailaker, le 680. J'ai eu celui-ci, Power Pro Lacquer Nailaker en 15. J'ai eu un bracelet fait par ma grande sœur. Ce bracelet par ma sœur, donc c'est un système d'aimant en haut. Et donc là, vous avez trois brins en cuir avec une étoile. Mais je vous montrerai mieux à porter. Voilà pour ce qui est de nos petits cadeaux. Maintenant, on va découvrir ce qu'il y a sur notre sapin. J'ai eu aussi les chocolats. Ah bah, en même temps. Tu veux pas te mettre à table, Enzo, pour. Ah bah oui, mais faut soulever les jouets. Hein. J'ai commencé par l'autre. C'est quoi? L'Alantario. Regardez ce qu'il a commandé. La même chose que son papa, il a dans son bureau. J'ai un parfum. Un petit parfum pour sentir bon le jeune homme. Ça ressemble à ça. Après quand on appuie dessus, bah, ça donne ça. Et puis il fait le bruit surtout. Il fait le tiling. Ils sont mignons. Ils sont un peu chouettes. Hop. Ah oui, Enzo il laisse tout. Ah ça c'est quand même un peu lourd. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? La lampe passe mal. Ah, c'est quoi? C'est quoi ça? Un parfum. Ouais. Pour faire quoi le parfum? Sentir bon. Ah oui. Tu veux voir, Enzo? Ouais. Super. Sexy boy. Impeccable. Ensuite. Hop là, lui il est gros. Je commence par le gros. En parlez-vous. Ah bon, je sais que quoi.
C'est quoi, tu disais? Je sais pas, c'est ça. Ouais. Il sait, mais il dit pas, tu sais. La machine, là. Oui, je peux la recommander. T'es content? Ouais. Enzo, c'est quoi ça? C'est un robot. C'est un bras mécanique. Ouais, va avoir du montage avec papa, tu vas t'amuser. Hein. Le dernier c'est le soleil. T'es sûr? Oui. J'en doute. Hein. T'es sûr? Si. Voici. Ah ouais, la machine. Super. Il est pas du tout heureux, je crois. Yeah. Enfin. À des balles. Alors ça, il nous bassine avec ça depuis des lustres. C'est la, comment ça s'appelle, la fabrique, le Monster Lab. Voilà. Et ça, il nous casse les pieds. Tu vas pouvoir jouer avec ça? Oui, comme ça, je vais faire un café. Voilà, enlève les papiers. Bon, et bien, c'est pas mal tout ça? Hop. Hop. Maintenant, ça va être autour de monsieur Raphaël. Non, ça va être autour de madame qui se demande qu'est-ce qu'elle va avoir comme calendrier pour avoir un carton aussi fin. Non, mais d'après vous, ça, c'est un sous-main, ça, ou un calendrier. Ah, il y a du bois. Ah non, c'est une déco. C'est quoi, Chacha? Vas-y. Ah, tiens, frère. Tu vas voir, maman. Là, je vais mettre là. Oh, cool. Mais c'est quoi? C'est très cool. Franchement, quand j'ai vu ça hier dans tes mains, je me suis dit, il m'a offert un sous-main. Un calendrier. Le calendrier de son boulot. 2018. Oh! Tu vas voir, c'est très beau. Oh, j'aime. Alors j'ai voulu faire les photos pour mettre dedans. Malheureusement, l'imprimante photo n'imprimait pas exactement comme je voulais. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Les plumes, les flèches. Pour mettre au-dessus du lit. Ça m'a fait secret pour toi. Oh, merci. Oh, c'est trop classe. Il t'intriguait celui-là? Ouais. Après, il y a celui-là. Ah, j'aurais pas du tout cru que c'était ça. Bah en même temps, je savais pas non plus, le jour même, je savais déjà pas ce que j'allais prendre. À la base, ce que je voulais prendre, il n'y en avait plus, donc... Non, c'est trop beau, merci. Ça, c'est quoi? Je vais déjà en faire. Ça, tu peux pas savoir non plus. C'est pas quelque chose que tu m'as dit, machin, donc j'espère que tu vas bien aimer, on verra bien. Oh, il y a des tas, c'est tout ça, là-dedans. Ça, c'est un set de chez papa, un set de déjeuner. Oh! Oh, il y a des lumières, ça fait bien que j'ai fait. C'est trop beau! J'ai la fin avec ça. Pas comme ça, on est là. Oh, bien. Faut juste que je trouve où le mettre. Bah, sur ton. Sur mon truc à maquillage. Ouais, l'avantage c'est que tu peux l'enlever, le remettre quand on veut ouvrir la fenêtre ou autre. Ah oui, parce que j'ai la fenêtre derrière. Il est trop beau. T'as mis des piles? Non, mais non, je l'ai pas ouvert. Mais on a des piles à la maison. Oui. Ah, il est trop bien, je suis trop contente. Même pour après, quand on aura notre maison, on aura mon petit coin. Hop, et le dernier. Hop là. Oula. Alors attends, ça, qu'est-ce que c'est d'après toi? C'est mou, ça, c'est une tenue, ça. C'est un truc... Je voulais un pyjama, donc ça se trouve c'est un pyjama, mais... T'avais pas demandé autre chose? J'avais demandé une combi. T'avais pas demandé autre chose? Des chaussons. En mou comme ça. Tu n'avais pas demandé une couverture. Aussi, des plaids. Ça peut être des plaids, des chaussons, pyjama. Alors pyjama, ça peut être. Il y a plein de pyjamas, ça peut être une combi entière ou. Ah, évidemment, ça envoyé dans un emballage. Pourquoi m'emmerder? Ah, c'est celui qu'on a vu, Tom. Il est trop beau. Je l'adore. Ah, il m'a mis. Je suis trop contente. Oh, je me rappelle plus que c'était des petits pingouins. Oh, il est trop bien. Donc le bas, c'est plein de petits pingouins de Noël. T'as bien pris la bonne taille. Ouais. Ça va, tu connais ta femme. Oui, taille 48, t'inquiète. Hop. Le haut, oh, il est trop beau, encore plus. Je n'avais pas vu de très très près.
on avait vu quand même. Bah, il y avait des, différents modèles. Il y avait un plus clair, un plus foncé. Je préférais le plus clair. Regardez, c'est plein de pingouins. De pingouinou. C'est brodé et tout. Et. Le plus important. Le plus important. La veste. Avec les deux petits pompons, elle est grise. Avec les poches. Et ça, quand t'as pas envie de bouger tes fesses le matin, c'est parfait. Merci mon amour. Ah, je suis trop contente. Et il commence à se servir. Mais... Alors j'ai eu un Lego technique hélicoptère. Non, déjà j'ai eu mon plus gros cadeau, c'est ma Xbox One. Oui, bah moi c'est pareil. Hein. J'ai l'appareil. Oui, moi j'ai eu l'appareil avec lequel je filme, hein, déjà depuis un mois. Donc. Bon allez, je commence par la chose que tu penses que c'est ça. Enfin... Alors, Project Cars 2. Non, arrête de jouer ton... Ou ce que je voulais, c'était Call of Duty World War 2. Parfait, en plus. Je sais pas faire semblant, Raph. Alors là, c'est spécial parce que c'est un jeu que j'ai déjà, ou du moins des jeux que j'ai déjà et que j'ai déjà fait, voire même fini, mais que je voulais sur Xbox One. Parce que ça, je les avais sur 360 à l'époque, j'en ai encore d'ailleurs deux. Il y en a trois en fait. Mais là, il y en a trois, c'est la Ezio Collection. Donc on a Assassin's Creed 2, le Brotherhood et le Révélation. Tout sur ça dans Xbox One. Ouais, sur Xbox One. Ouais. Tout ça dans un. Dans un seul CD. Dans un seul CD, ouais. T'es content? Ah bah là, oui. Je le voulais donc, oui. Ensuite, tiens, devine avant, cherche. Une boîte de Ferrero. Oh, c'est bon. Ça, c'est une pop ou un ou une figurine. Vas-y. Ouais, je sais pas. Je dirais une pop. Vas-y. Ou une figurine. Ouvre, papa. Ils donnent pas d'options quand c'est sûr de pas se tromper. C'est ou, ça ou ça. C'est quoi? Ah ouais, c'était une boîte comme ça. Ah oui, je m'en rappelais pas. Ah, t'as pris Megaman, d'accord. Bah oui, j'ai pris Megaman. Il est beau. C'est le plus vieux. Alors bon, par logique, c'est celui que tu peux que préférer. Va chercher un couteau, Tim, s'il te plaît. Ok. Tu montres? Ouais, bah attends, je voudrais le déballer pour le faire. Je suis désolée hein, pour le prix, je l'ai décollé comme je pouvais, mais c'est bourri, il colle des prix partout. Un couteau pointu? Oui. Donc faut savoir que ce petit bonhomme, je ne le connaissais pas avant de connaître Raph. C'est un pixel art lumineux de Megaman. J'adorais Megaman quand j'étais petit. Je ne connaissais pas du tout, moi, avant de connaître Raph. Je connaissais Mario, Luigi, mais je ne connaissais pas Megaman. Ah, Megaman, c'est mon enfance. Ah, génial. C'est petit, hein. Bah oui, mais c'est joli. Oui, après, c'est... Il y a des petites piles qu'il faut, on en a là-haut. Ah, bah coupe, je vais mettre des piles et on... On reprend, bah tu veux tout ouvrir avant. Tu mettras tes piles après. Excellent. Ça, j'aime bien. Papa, vous pouvez me servir du couteau parfait. Alors, ça, c'est quoi? Alors là, par contre, gros comme ça... Qu'est-ce que tu aurais pu prendre de si gros ça? Je sais pas. Un coffret collector de. Non, bah non, je pense pas, il n'y a pas. Bah je sais pas. Bah écoute, ouvre, tu sauras. Non! Ah bah tu vois que t'en as trouvé. Attends, mais où là? J'ai fait fort. Ah, il y en a deux. Non, excellent. Eh oui. Oh. J'ai trouvé Bubu. Bulma et Trunk. Je sais pas si j'ai Vegeta moi du coup. Je crois pas que je l'ai Vegeta... Non, pas encore, enfin, je me trouve Vegeta du coup pour avoir la famille. Mais Bulma, j'ai été loin quand même, c'est qu'elle n'était pas dans les rayons. Ah bon? Non. J'ai été voir le vendeur, je lui ai dit vous en avez d'autres. Non, on en a plein. Alors j'ai dit bah si on en a plein, si vous en avez plein, vous allez aller dans votre super réserve et vous allez décortiquer tous vos pommes pour me trouver Bulma.
Le dragon ? Non, il l'avait plus. Ah, c'est le premier que j'ai demandé. Et du coup, le mec, il a fouillé toute sa réserve pour me trouver Bulma et il lui restait qu'une. Et elle était au fond des cartons, il a galéré pour l'avoir, mais j'ai eu Bulma. J'étais bien contente d'avoir demandé. C'est bien, c'est qu'ils ont pensé à mettre un support. Ouais. C'est Bulma. Oui, mais non, c'est parce qu'ils sont petits, je pense, les pop là. Les bases sont petites, donc ouais. Ils mettent un support. Ça dépend de la base en fait. Ouais, c'est bien, ça évite que ça tombe. Mais Assassin's Creed, ils ont du mal à finir. Elle est bien. Regarde, Timéo. Non, j'ai vu, c'est Bulma. T'es pas un peu jaloux? Non, ça va. C'est quand même un peu. T'es quand même un petit peu jaloux. Avec son épée. Sinon, ça va. Mais t'auras un beau décor Dragon Ball dans le bureau. Et Trunks. T'aimes bien? Ça, c'est mon préféré dans Dragon Ball. Regardez comment il est envieux devant son père. Ah, bah, il est jaloux. Tu les auras peut-être un jour. Hein? Oui, mon cœur. Ah oui, bon, on va jouer après avec ça. Bon, tu vas allumer ton bac, ton machin? Oui. T'es chez les piles. Allez, va chez les piles. Vas-y, allume-le, Titi. Regardez. Ça va être beau dans ta chambre, ça. T'es content? Ouais. Ouais? En plus, là, on peut carrément l'éteindre. Ouais, puis tu peux taper même un petit câble si tu veux après par la suite dans ta chambre sur un ordinateur ou chose comme ça. On va le scotcher en dessous, le cas pour pas le perdre. Comme tu t'en sers pas, on va mettre un bout de scotch en dessous. Ouais, comme ça, voilà. Oh. Ah oui, t'es pas obligé de mettre la musique. Bah ah oui, parce que j'avais. Tiens, regarde. Super. Attends, Tim Enzo, j'ai. Raphaël. Oh, j'arrive plus à parler. Ok. Allez. Yes. Waouh, il est canon. C'est sympa. Ouais, sympa. Ils font les Mario et tout comme ça aussi. Petit pixel art comme ça. Et moi, regardez au miroir. Ta-da! C'est classe! Il est 18h30. Nous, on va ranger tout ça. On va ouvrir toutes les boîtes des jeux pour qu'ils puissent jouer à leurs cadeaux. Et puis après, on va aller se reposer parce que je suis fatiguée, moi. Pas toi? J'ai l'impression que c'est encore plus clair que tout à l'heure là. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, on espère quand même que cette petite journée entre compagnie. Oh, j'arrive plus à parler, je suis morte. Hein. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Vous aura fait plaisir de découvrir avec nous nos cadeaux. Tu m'as même pas dit merci. Merci mon cœur, Bibi. Merci papa et maman. Ça fait plaisir. Chamallow. Oui. Il est content. Alors, faut tu savoir... m'as plus que c'était Megaman. C'est vrai. Merci Chamallow. Faut savoir que Trunks c'est son personnage préféré dans Dragon Ball. Donc voilà. Et Bulma, il l'avait mis dans sa liste de souhaits. Voilà, donc elle était dans sa liste de souhaits. Et en fait, ne la voyant pas dans les rayons, je me suis permis de demander. Et finalement, j'ai réussi à la voir. Donc j'étais très fière de ma trouvaille. J'étais très fière de moi. Le pauvre, après, il est ressorti en sueur de sa réserve parce qu'il avait dû enlever toutes les boîtes pour choper Bulma qui était toute seule en bas. Mais moi, j'étais contente de l'avoir. Donc voilà, un Noël où on est encore très très gâtés. C'était bien. On a hâte aussi d'être jeudi parce que jeudi Cassie revient et elle va pouvoir découvrir ses cadeaux sous le sapin, donc on est quand même assez pressé. Et bien sûr on vous reprendra, comme ça vous verrez. Ma caméra fait que de faire du flou, ça me fatigue. Ou alors c'est mes yeux qui sont trop flous, je ne sais pas, et qui je vois flou. Sur ce, on vous fait tout plein de bisous. On vous souhaite encore un joyeux Noël et on vous dit à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao. Ciao.